Ici Carter. 6, vous vous approchez de la cible. Vous et votre escouade, vous allez devoir vous poser sur le dessus, trouver une ouverture et descendre pour ouvrir le sas. Là, le pélican pourra rentrer et se poser. Attention, une fois à l'intérieur, vous risquez de ne plus avoir de contact radio avec nous. Vous serez tout seul. Je vous rappelle le code de la bombe à activer. Je me balade dans l'espace. 3, on va leur mettre 4, une bombe. Assez une fois activé, vous aurez 60 secondes pour décarrer. Carter, terminé. Pour la dernière fois, George, ferme ta gueule. Bah, tu devrais être inspiré par ce que je chante. Ok, le cut qui nous permet d'éviter toute une zone de combat a été réussi. J'ouvre le sas. Maintenant, faut faire vite. Les Covenants vont pas tarder du tout, là. George, t'as le code ? Quel code ? Celui de la bombe, Trouduc. Non, je pensais que c'était toi qui l'avais. Et tu sais pourquoi on n'a pas le code ? C'est pas ma faute, je suis dyslexique. J'aurais tellement dû te laisser dans l'espace dans l'épisode précédent. Non, mais ça va, laisse-moi 2 minutes, je vais le retrouver. 2 minutes. La seule chose que je voulais à la base, c'était que vous soyez fiers de moi. Ah, j'en déduis que les 2 minutes sont écoulées. Je suis vraiment désolé. C'est la première fois qu'on me confie une véritable mission et j'ai tout gâché. Allez, t'inquiète pas, y'a personne qui va être surpris, tout le monde... C'est ça qui me fait chier ! Je voulais tellement prouver au monde que j'étais capable de faire des choses ! Hey, George, du calme, calme ! Je voulais lui prouver à lui ! À lui ! C'est qui, lui ? Je sais qu'on peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre. Mais la seule chose que je voulais, c'était qu'il me voie... C'était qu'il soit fier de moi, qu'il ait confiance en moi ! George, tu parles de qui, là ? Carter, je l'aime. La première fois où mes yeux se sont posés sur lui, ça a été un véritable coup de foudre. Sa démarche, sa façon de s'exprimer, quand il prend sa grosse voix de chef, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'il m'a rendu plus fort, plus courageux. J'aimerais que tu lui donnes ça pour moi. Tes plaques ? Ça... Quoi ? C'est ma décision, 6. J'espère au moins qu'il sera fier de moi. George, tu me mets mal à l'aise, repose-moi, on va discuter. C'est mon choix, respectez-le. George, si tu comptes activer la bombe en manuel, c'est de la folie, tu vas pas t'en sortir. 6, dis-lui que je l'ai toujours aimé. George, non, attends ! George...